Bienvenue à toutes et tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire de lancement. Je m'appelle Émilien Gruet, je suis responsable de la veille du développement stratégique au TIES et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Un webinaire, donc, comme je disais, pour lancer 9 outils qui ont été produits suite à plus de 3 ans de travail mené par le TIES avec de nombreux partenaires. Plusieurs d'entre eux sont ici avec nous pour vous présenter ces travaux. Des travaux sur la vaste question de la gouvernance des données, plus précisément sur la fiducie d'utilité sociale comme option pour la mise sur pied de partenariats de données voués au bien commun. Alors, je vous rappelle quelques petits détails techniques. D'abord, vous voyez qu'il y a deux possibilités d'interagir au bas de votre écran. Un clavardage qu'on vous invite à utiliser pour les salutations et autres commentaires, et un outil spécifique pour les questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, pour ce qui est des questions que vous aurez à poser, que ce soit durant la présentation ou des réponses, vous verrez que vous serez sollicité. Merci d'utiliser le QR au bas de l'écran. Puis, dernier élément, le webinaire est enregistré et il sera diffusé ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez le voir à nouveau ou si vous voulez le diffuser, ce sera possible. On va avoir une présentation de Lauriane et Jessica que je vais vous présenter dans un instant sur le projet, les différents outils qu'on lance aujourd'hui. Puis ensuite, on va avoir deux réactions de deux de nos partenaires, Véronique Marino et Alexandra Popovici, que je vous présenterai également. Puis suite à ça, on va avoir une période de questions-discussions d'une vingtaine de minutes. Alors voilà, sans plus attendre, je vais céder la parole à Jessica Leblanc, qui est avocate et candidate au doctorat en droit à l'UQAM. Elle a également été chargée de projet au TIES de 2020 à 2023, et donc c'est elle qui a piloté l'ensemble de ses travaux. Et également Lauriane Gors, qui est gestionnaire de projets stratégiques chez Nord-Ouvert. Elle combine des expériences variées et une formation en génie généraliste et en sociologie de l'innovation pour répondre à cette question. Comment des innovations, ce qui est nouveau, peuvent-elles constituer un progrès pour les êtres humains et notre planète, ce qui est mieux? Alors voilà, je vous cède la parole et je pense que c'est Lauriane qui va commencer. À toi, Lauriane. Oui, merci. Bienvenue à tous. On va partager l'écran. On vous a préparé une présentation en 4 points. D'abord, pourquoi un partenariat de données? Pourquoi ça pourrait être intéressant pour vous, votre écosystème? Ensuite, vous présenter le guide d'introduction au partenariat des données, qui est comme un peu le guide de départ de la série. Et ensuite, Jessica vous présentera le projet qui a permis de développer ces guides et tout le reste des outils, parce qu'il y a un beau florilège. Alors, sans plus tarder, je commence. À quoi ça pourrait vous servir un partenariat de données? En fait, on part un peu avec un statu quo où il y a 3 éléments clés que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est assez courant d'abord dans des petites et moyennes organisations de pas avoir un sens très clair de quelles sont les données. Et ça arrive aussi que la culture de données est inégale dans l'organisation et que certaines décisions importantes stratégiques sont prises sans données ou basées sur des données incomplètes qui répondent pas aux besoins peut-être de la décision. Et il y a aussi cette vision capitaliste comme un discours un peu qu'on entend souvent que les données c'est le nouveau pétrole, le nouvel âge d'or, c'est une ressource précieuse à accumuler. Chacun dans son coin, sous-entendu. C'est une vision très partielle parce que déjà une donnée toute seule, elle n'a pas d'utilité si elle n'est pas utilisable. Et puis, toutes les données ont un coût financier, environnemental, social. Donc, si elles sont mal utilisées ou gérées, parfois, c'est pire que de ne pas en avoir. Et ça mène aussi ces visions, un peu ce statu quo, que chacun garde ses données chez soi, volontairement ou non, mais ça crée des silos. Et en fait, ce qu'on fait là, c'est vous proposer une autre approche.
Et donc, c'est une approche où une bonne gouvernance de données vous permet de découvrir quelles données sont utiles pour vos objectifs, pour soutenir votre mission, que les données aussi contribuent au bien commun plus généralement et apportent de la valeur avec une utilisation qui est alignée avec vos valeurs. Donc, c'est à la fois le but et pour le bien commun, mais aussi le comment. C'est pas n'importe comment qu'on gère les données, on le fait aligné avec des valeurs. Et ça, vous pouvez le faire chacun dans vos organisations, c'est déjà un super début. Puis aussi, ça peut mener à des collaborations entre organisations ou entre départements parfois, de mettre en commun des données et aussi donc des efforts, des coûts pour aller ensemble. Et mettre en commun des données, ça donne des données plus riches pour l'écosystème et pour résoudre des enjeux complexes. Alors là, je sais que je tente quelque chose avec vous. En fait, j'aimerais un peu que vous invitez à vous poser la question quel monde vous souhaitez cultiver parmi les deux approches que j'ai présentées. Et peut-être en commençant à vous connecter à quelle est votre vision, votre mission et vos objectifs. Alors, je sais que certains mangent, vous pouvez écrire dans le chat, mais juste, c'est ça, prendre le temps de vous connecter avec votre mission, vos objectifs, quelques secondes. Et puis, en fait, basé sur cette vision, mission, objectif, ce serait intéressant de vous questionner sur quelles données ou informations vous établissez le diagnostic de la problématique que vous cherchez à résoudre, par exemple. Sur quelles données, informations vous concevez votre stratégie d'action ou théorie de changement pour résoudre ce problème? Et sur quelles informations ou données basez-vous le suivi et l'évaluation de vos objectifs? Super, je vois des messages dans le chat, merci. Créer et diffuser des connaissances qui aident à la transition juste. Préserver la fonction agricole sur mon territoire pour un bénéfice collectif, paysager et nourricier. C'est super, merci d'être là. Améliorer l'enseignement et la planification stratégique d'affaires pour les entreprises sociales. Super expérience ici. Puis j'espère que vous commencez à identifier voilà, quelques sources d'informations et données qui vous aident dans ces objectifs. Et mon dernier point, ça va être les partenariats dans tout ça. Est-ce que ça vous aiderait d'avoir accès à d'autres données, informations fiables pour atteindre ces objectifs que vous avez partagés dans le chat ou juste réfléchi? Et aussi, réciproquement, les données que vous avez, vous, pour votre objectif que vous venez de nommer, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile plus largement à l'écosystème québécois ou peut-être même plus localement, où je vois qu'il y en a qui sont en France d'ailleurs? Est-ce que ça pourrait être utile pour d'autres organisations que vous? Et c'est toutes ces questions qui peuvent mener à comprendre en quoi un partenariat donné pourrait être utile pour vous. Donc voilà, je vous invite à continuer ces réflexions plus tard, mais pour continuer, maintenant que vous avez une idée plus précise, je vous amène trois exemples que je trouve inspirants, assez variés dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement durable. Donc il y a le partenariat Twicken. Qui est en Nouvelle-Écosse, a permis à l'initiative de Premières Nations de la Nouvelle-Écosse de mieux superviser la santé de leur communauté grâce à un meilleur accès aux informations fiables sur la santé de leur population. En France, à Rennes, il y a aussi à l'initiative du réseau Canopée et des Petits Débrouillards un projet pilote pour un portail de données qu'on appelle Rudy, qui vise à diffuser une culture de la donnée auprès des professionnels de l'éducation et de la médiation. Comment en allant chercher des données qui vont servir de support à la pédagogie en renforçant les capacités aussi. Donc d'abord à chercher des données, mais aussi renforcer la capacité de ces professionnels qui ensuite partagent leurs connaissances aux élèves. Et enfin, 16 îles et territoires du Pacifique, celles du Forum des îles du Pacifique, suivent leur progrès et concernant les objectifs du développement durable grâce à 132 indicateurs. Puis ça prend de rassembler des données d'une source extrêmement variée. Donc, c'est un autre type de partenariat de données, si vous voulez. Donc, j'espère que ce tour rapide a élargi vos horizons des possibles. Puis je vous invite à découvrir le guide d'introduction au partenariat de données. Donc, c'est un guide en trois parties.
On commence par répondre à des questions vastes, larges, sur les partenariats de données. Qu'est-ce qu'une donnée? Qu'est-ce qu'un partenariat de données? C'est quoi la différence entre le partage et la mutualisation, par exemple? Dans la partie 2, on vous présente 7 étapes pour créer un partenariat de données. Et enfin, dans la partie 3, on compare différents arrangements ou véhicules juridiques possibles au partage de données. Il n'y a pas que la fiducie d'utilité sociale, il y a d'autres possibles. Puis la partie 3 vous aide à naviguer tout ça. Et je risque de briser quelques espoirs en disant que il n'y a pas de modèle clé en main en fait pour les partenariats de données. Par contre, on a pu développer grâce à ce projet et aussi au soutien financier de la Ville de Montréal et du gouvernement du Canada dans le cadre du défi des villes intelligentes, on a pu développer un processus en 7 étapes. Donc on retrouve en bas, vous voyez en bas du schéma, 3 grands jalons: s'informer, concevoir, mettre en œuvre, que vous retrouverez au travers les guides. Et donc, les 7 étapes consistent à d'abord à cibler le problème ou l'opportunité. Ensuite, deuxième étape, comprendre les données et leur contexte. Et la troisième étape consiste à mobiliser les parties prenantes. Excusez-moi, c'est juste très petit. Mobiliser les parties prenantes pour co-construire la vision commune du partenariat. Et ensuite, l'étape 4, elle est itérative, qui vise à élaborer, valider à quoi va ressembler le partenariat donné pour votre contexte. Et une fois que ça s'est fait, il s'agit de le mettre en œuvre. Donc, peut-être se donner un plan de mise en œuvre. Et ensuite, avec une approche agile, venez tester et ajouter chaque élément du plan de mise en œuvre. Puis enfin, une fois que c'est mis en place, continuer les opérations courantes et évaluer le succès, est-ce qu'on atteint les objectifs du partenariat ou non, et d'ajuster en fonction. Donc, c'est un schéma qui a été développé grâce aux activités collaboratives de prototypage. Et Jessica va vous présenter le projet plus global qui a permis d'aboutir à ces outils. Merci. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette présentation un peu plus générale. On va aller un petit peu plus en détail dans la présentation du projet, puis les outils qu'on a pu concevoir grâce au projet. Donc, ça fait plusieurs années que le TIES s'intéresse aux fiducies d'utilité sociale. Nos premières inspirations étaient surtout dans le domaine des milieux, de la conservation des milieux naturels, de terres agricoles. Les enjeux en matière de données ou de renseignements personnels sont évidemment extrêmement différents, mais il y a une certaine résonance. Et puis, considérant le contexte de l'économie capitaliste de la donnée qui a été présentée par Lauriane, on a pensé qu'il serait pertinent de concevoir des outils de gouvernance de données collaboratifs ou collectifs, dirigés vers le bien commun ou vers l'intérêt général et qui offriraient en même temps des garanties de sécurité, de protection, supérieure des renseignements personnels et de la vie privée des individus. C'est donc avec cette idée-là en tête que s'est amorcé le projet Fiducie d'utilité sociale de données pour une gouvernance des données pour le bien commun. Les principaux objectifs étaient avant tout d'explorer le potentiel de la fiducie d'utilité sociale qu'on connaissait bien, mais dans d'autres contextes, pour une gouvernance des données numériques vouée à l'intérêt général. Et en même temps, on souhaitait renforcer les capacités d'action des entreprises collectives grâce à la mutualisation de données. Deux projets pilotes ont participé aux travaux du projet, l'un en culture, dont Véronique va peut-être un petit peu plus parler par la suite, et l'autre en mobilité, tous les deux cherchant à prototyper ou expérimenter avec la notion de fiducie de données. Les publications qu'on va vous présenter ce midi ont été précédées de quand même quelques travaux. En fait, au TIES, on débute toujours les projets par une synthèse de connaissances. Donc, on fait un bilan de ce qui est connu d'une innovation, autant dans la littérature scientifique que dans la littérature grise, pour avoir une meilleure vision d'ensemble de ce qui s'est déjà fait et ce qui est connu. Donc, dans le document que vous voyez à gauche, c'est une synthèse de connaissances qui a d'abord été faite en 2021, je crois, et qui est disponible sur notre site web. Également, dans le cadre d'un projet financé par le Data Trust Initiative de l'Université de Cambridge notamment, on a
était en mesure de poser des premiers jalons de l'utilisation de la fiducie pour une gouvernance des données, ce qui a fait l'objet d'une deuxième publication en anglais seulement, mais le tout est repris dans les outils qu'on va vous présenter. Elle est également disponible sur notre site web. L'ETS travaille toujours de façon très collaborative avec un très grand nombre de partenaires dans une perspective de co-construction des connaissances. Dans le cadre de ce projet, depuis vraiment le tout début, on a travaillé de façon très étroite avec Nord-Ouvert, où Lauriane travaille. Certains livrables ont même été co-écrits avec eux. Je tiens d'ailleurs à remercier personnellement Lauriane, également Alexandre, qui ont travaillé, qui a très bien travaillé pendant toutes ces années et qui a donné lieu à une collaboration très fructueuse. En plus de Nord-Ouvert, il y a un très grand nombre d'organisations et de personnes qui nous ont aidés ou qui ont collaboré à ce projet. On peut notamment nommer Alexandra Popovici, qui va prendre la parole dans quelques instants, et Anne-Sophie Hulin, toutes les deux de l'Université de Sherbrooke, qui ont toutes les deux apporté leurs précieuses connaissances de la fiducie d'utilité sociale et des façons de l'adapter à la gouvernance des données. On doit absolument parler également de Culture pour tous et de Montréal en commun, qui ont été en quelque sorte nos cobayes et qui se sont lancés dans la création d'une fiducie et d'utilité sociale, un peu en sachant pas trop en fait à quoi s'attendre. Donc, on les remercie également d'avoir pris le train avec nous. Dans le cas de Culture pour tous, le projet a été mené à terme, c'est-à-dire qu'une fiducie d'utilité sociale de partage et de mutualisation de données a été créée. Elle se nomme Culturepedia. Elle est aujourd'hui pleinement fonctionnelle et en développement, et elle intègre un très grand nombre de partenaires issus de la culture. On peut également nommer la Cogency qui a accompagné Culture pour tous. Véronique va en parler. Et finalement, l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, avec qui nous avons notamment organisé un panel en mars dernier. Il y a évidemment également de nombreux partenaires financiers, donc le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, le Canada via le Défi des villes intelligentes et Montréal en commun. Donc, je vais maintenant vous présenter, en fait, c'est le temps de vous dévoiler les outils sur lesquels on a travaillé. Les outils sont divisés en trois thèmes qui sont s'informer, concevoir et mettre en œuvre, qu'on reprend, comme Lauriane l'a dit, à travers toute la série de documents. Les outils sont également conçus en fonction des différents acteurs qui participent à la création et à la mise en œuvre d'une fiducie d'utilité sociale. Donc, on a les constituants, les premiers fiduciaires, les fiduciaires subséquents, ce qu'on appelle la communauté de la fiducie, donc les personnes qui vont utiliser les biens en fiducie, qui vont être touchées par ces activités, mais aussi les personnes qui peuvent contribuer au patrimoine fiduciaire de différentes façons. Donc, c'est à travers à la fois les différents acteurs et les différentes étapes qu'on a conçu les outils afin de permettre de créer, de nourrir une gouvernance la plus collaborative et la plus collective possible. On a d'abord un guide d'introduction de la fiducie d'utilité sociale qui reprend un peu, en fait, le même schéma que le guide d'introduction au partenariat de données que Lauriane a présenté. Donc, on a vraiment essayé de se mettre à la place de porteurs de projets qui se disent « Ah, j'ai envie de collaborer avec des partenaires pour partager des données, créer une infrastructure numérique commune. » Et on se pose la question « Mais est-ce que la fiducie d'utilité sociale, c'est une bonne option pour nous? » Donc, ce premier guide-là porte spécifiquement sur la fiducie et veut répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est approprié pour nous dans la situation dans laquelle on est en ce moment? Quels sont les différents rôles des différents acteurs? De quelle façon est-ce qu'elle peut être mobilisée? Parce que c'est pas, comme Lauriane a dit, c'est pas une formule clé en main, donc ça peut être utilisé de différentes façons selon les objectifs qu'on veut atteindre. Et finalement, c'est quoi les étapes qui sont les mêmes étapes que pour la création d'un partenariat donné, mais appliqué à la fiducie. Donc, c'est un petit guide d'une dizaine de pages pour vous donner quelques réponses sur ces grandes questions-là. Le deuxième outil a été élaboré principalement par Nord-Ouvert. Donc, c'est un des documents qui a été créé vraiment en étroite collaboration. Dans ce document-là, on présente différents modèles d'affaires, des partenariats de données en général, mais ça s'applique clairement aux fiducies d'utilité sociale de données. Il y a une première partie un petit peu plus théorique sur les fondements de l'économie capitaliste de la donnée pour détailler en fait les éléments de cette économie-là. Ensuite, on voit c'est quoi les limites de ce paradigme et comment on peut le renverser pour tendre ou pour être, plutôt être dans une économie sociale de la donnée.
La partie 2 va venir présenter des modèles d'affaires qui sont alignés sur certains principes éthiques et de gouvernance collaborative. Ces modèles d'affaires sont inspirés de différents cas qui existent dans le monde, qui ont été répertoriés grâce à une revue de littérature. Donc, les quatre modèles d'affaires sont présentés, de même que leurs avantages et leurs désavantages. Ensuite, les fiduciaires, un outil dont je suis particulièrement contente, qui s'intéresse vraiment au rôle des fiduciaires dans les fiducies d'utilité sociale, que ce soit numérique ou non, mais clairement, ça s'applique aux fiducies de partage de données ou de mutualisation de données. Alors, quand je vous disais qu'on s'est vraiment intéressé aux différents acteurs à différentes étapes, c'est vraiment l'idée derrière ce document-là, où on présente vraiment qu'est-ce que c'est des fiduciaires, quels sont leurs rôles, quels sont leurs devoirs, pourquoi ils sont nécessaires, pourquoi ils existent, pourquoi mettre en place des mesures de surveillance pour s'assurer que ces fiduciaires-là sont connus du public, qu'on puisse leur poser des questions, qu'on puisse vérifier qu'ils agissent conformément à l'acte de fiducie. Puis ensuite, il y a toute une partie sur comment on fait pour administrer collectivement une fiducie d'utilité sociale, c'est-à-dire comment procéder lorsqu'il y a une grande quantité de fiduciaires, comment on fait pour les élire, comment on peut faire pour encadrer leur prise de décision. Dans la même veine, on a conçu un outil sur la gouvernance collective des fiducies d'utilité sociale, mais là, qui s'applique pas seulement aux fiduciaires, mais vraiment à l'ensemble de la communauté qui gravite autour de la fiducie. Donc, dans ce livrable, on traite des questions de comment cerner la communauté de la fiducie, comment on fait pour délimiter les personnes qui devraient être impliquées dès le départ, dès la conception du projet. Puis, on documente quatre stratégies pour développer une communauté engagée. Donc, évidemment, il y a toute la question de l'élection et de la destitution des fiduciaires, soit par une assemblée, par des collèges électoraux. On donne différentes stratégies. Ensuite, on donne des outils pour s'assurer que la communauté soit informée des décisions et des actions prises par les fiduciaires. Ensuite, des stratégies d'implication de la communauté, donc des échanges directs entre la communauté et les fiduciaires qui peuvent mener à une prise de décision. Et finalement, la consultation, donc comment faire en sorte que les fiduciaires soient nourris par les idées et par les préoccupations de la communauté. Donc, c'est quatre stratégies qu'on a détaillées pour montrer comment ça s'applique dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale. C'est en grande partie inspiré de ce qui existe déjà sur le terrain dans d'autres domaines que le numérique, mais on a aussi essayé de fournir des idées qui n'ont pas été encore mises en œuvre et éprouvées, mais qui peuvent inspirer des innovations dans le domaine des fiducies d'utilité sociale. Donc, tous les outils que je viens de présenter, ce sont vraiment des documents d'information utiles aux porteurs de projets, aux fiduciaires, mais qui peuvent aussi être consultés, même une fois la fiducie créée, pour l'améliorer, pour actualiser les pratiques au sein du projet. Maintenant, les trois outils que vous voyez en ligne, ce sont trois documents qui ont été pensés en vue de la... Oups. En vue de la création d'une fiducie d'utilité sociale. Donc, ce sont vraiment trois outils pour vous amener à réfléchir aux éléments essentiels d'une fiducie d'utilité sociale qui sont basés sur la démarche qu'on a faite avec Culture pour tous et avec Montréal en commun. Donc, ce sont des questionnements qui ont émergé en cours de projet et on a consigné le tout, on en a fait des outils. C'est des exercices qu'on a proposés au projet pilote pour réfléchir à comment imaginer leur fiducie d'utilité sociale. Donc, c'est un travail qui a été fait en grande partie aussi avec Norbert, qui, eux, accompagnaient Montréal en commun. Comment ça fonctionne? Bon, d'abord, il y a un petit outil de réflexion. C'est environ un 5 pages que vous pouvez... carrément, il y a des lignes dans le document, vous pouvez le remplir à la main. Et ce sont des questions qu'on estime importantes à se poser avant même de se lancer dans la création d'une fiducie d'utilité sociale. Ensuite, au milieu, on a un outil d'aide à la décision qui a été pensé pour remplir le document que vous voyez complètement à la droite, qui est le gabarit d'acte de fiducie. Donc, les deux documents reprennent la même structure. L'outil d'aide à la décision vous aide à réfléchir à certains éléments et fournissent en même temps certaines informations complémentaires très, très précises. Le gabarit d'acte de fiducie, c'est un document à remplir. C'est comme un vrai acte de fiducie, mais...
de façon, en fait, on n'a pas donné d'informations trop précises. En fond, c'est à vous de faire l'exercice. On vous donne la structure, on vous donne les éléments importants, mais c'est à vous de le remplir. Et on suggère de le remplir avant d'aller voir un professionnel du droit qui va un peu mettre la touche finale, qui va valider tout, qui va vous conseiller pour que ce soit conforme au droit. Mais c'est l'idée, c'est que vous arriviez déjà avec des idées, que vous ayez déjà réfléchi en amont. Ça vous permet aussi d'anticiper les questions que vous allez devoir vous poser, quels sont les éléments qu'il faut prévoir également avant de vous lancer dans cette aventure-là. Donc, ça peut être utile même pour voir est-ce que vous voulez vous lancer dans ce projet-là. Là, je vous avais mis également une petite, pour que vous voyez un peu comment ils sont conçus, les outils, l'outil d'aide à la décision. Il y a une partie sur, par exemple, les personnes qui pourraient être touchées par les activités de la fiducie, parce que dans le gabarit d'acte de fiducie, il y a une section là-dessus. Donc, c'est des questions avec de l'espace pour pouvoir remplir, pour pouvoir noter vos idées. Puis en même temps, il y a des compléments d'informations à travers le document. Là, j'ai perdu. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des outils qui ont été créés avec des acteurs du terrain qui expérimentaient, pour des acteurs du terrain, avec l'apport des connaissances inestimables de la recherche. Et le TIES est très heureux et je suis moi-même très heureuse en mon nom personnel de vous les présenter aujourd'hui. On espère que ça vous sera utile, on espère et on est toujours content d'avoir de la rétroaction. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en les consultant. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Merci également, Lauriane. Au TIES, on dit souvent que nos outils, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière ça, il y a toujours un travail colossal qui s'étale sur plusieurs années, qui se fait dans l'ombre avec bon nombre de partenaires extrêmement engagés dans une démarche de co-construction. Puis, je pense que ce projet ne fait pas exception, hein. On n'a pas défié les lois de la physique. Donc, quand vous voyez le nombre des outils, puis tout ce qu'ils contiennent, vous pouvez imaginer la partie immergée de l'iceberg. Peut-être qu'avant de céder la parole à deux de nos partenaires, je proposerai. Ah, je vois que Lauriane est déjà en train de répondre à Jason, mais je peux formuler la question qui est intéressante. Jason, se demande s'il n'y a pas une tension, sinon une contradiction entre la notion de fiducie et celle de gouvernance démocratique. Est-ce qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre ou d'évolution dans une fiducie? On parle tout le temps de perpétuité, d'une vocation sociale fixe. Est-ce que Jessica ou Lauriane, vous souhaitez répondre? Lauriane est déjà en train d'écrire, peut-être Jessica, si tu as envie de. Ouais, ben d'abord la fiducie pas obligatoirement perpétuelle, c'est dans un espace de temps plus restreint pour atteindre certains objectifs. Donc c'est pas une obligation de créer des fiducies d'utilité sociale perpétuelle. Effectivement, en matière technologique, on peut penser que parfois la perpétuité ne peut ne pas être opportune. Ensuite, l'idée, en fait, c'est d'avoir des mécanismes qui vont faire en sorte que les décisions, les actions des fiduciaires soient publiques qu'il puisse y avoir réellement une consultation, qu'il puisse y avoir un dialogue entre les différentes personnes impliquées et les fiduciaires. Je ne sais pas si c'est sur cet aspect-là qu'on voulait parler de la gouvernance collective ou démocratique, mais je pense que c'est possible de créer une instance autre que les fiduciaires qui vont venir appuyer, faire des recommandations et qui va avoir également une rétroaction de la part des fiduciaires qui vont rendre compte, qui vont être imputables en fait de leur décision. Et moi, ça me semble quand même un aspect démocratique important. Et je souligne de ce point de vue que c'est une question, ce lien entre le modèle de fiducie et la question de gouvernance démocratique qu'on a vraiment exploré dans le projet et vous le verrez qui est traité dans les outils. Il y a quand même un champ libre laissé par la structure de la fiducie de données en termes de structuration de la gouvernance démocratique. Puis,
on fait des suggestions à ce propos pour s'assurer justement d'avoir une gouvernance réellement démocratique. Lauriane, tu veux compléter? Oui, mais 100% pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Emilien, c'est que effectivement la loi et ce qui doit être dans une fiducie d'utilité sociale ne va pas donner de prescrire quoi que ce soit là-dessus. Donc on a le champ libre, puis ça a été vraiment le but de ce projet de faire des propositions pour que cette gouvernance puisse être participative, puisse être responsable, couvrir d'autres principes éthiques que juste que ce que la loi donne comme minimum. Et puis en fait voilà, c'est dans la effectivement, une fois que c'est écrit dans l'acte de fiducie, c'est un peu figé, mais justement, on peut dire c'est important d'avoir cette instance consultative et en fait que les fiduciaires soient imputables, comme proposait Jessica. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est pas une tension en soi, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Merci pour la belle question. Merci, Lauriane, Jessica. Ben, je ne sais pas si Alexandra ou Véronique veulent ajouter quelque chose sur cet aspect-là, parce que je viens de trouver où étaient les questions. Alors, j'ai pu la lire, mais évidemment, c'est important quand on la crée d'avoir une affectation qui va pouvoir évoluer dans le temps et qu'elle puisse évoluer, pas juste que les fiduciaires se rencontrent dans une pièce et la fassent évoluer, mais qu'on implique la communauté dans cette évolution-là. Alors, et c'est pas technique le travail de fiduciaire, comme le propose la question. Au contraire, il faut qu'ils puissent faire grandir la fiducie tout en respectant l'idée derrière l'affectation. Puis je pense qu'il y a certains principes sur lesquels on peut s'entendre qui vont rester dans le temps. Par exemple, le respect de la vie privée. Il y a des choses comme ça qui vont rester importantes tout au long de la fiducie. Mais évidemment, l'affectation, elle ne sera pas rédigée de telle sorte de lier ou de faire en sorte que les fiduciaires puissent, c'est ça, se soient limités à un rôle technique. Merci. On a Alexandra puis Véronique qui vont compléter cette réponse. En fait, je veux rebondir parce que c'était une grande question, en fait, qu'on avait au début de nos réflexions, parce que la fiducie, comme l'a super bien dit Lauriane, tout le cadre juridique ne nous donne pas de contraintes pour ce qu'on peut faire comme gouvernance dans une fiducie. Donc, c'est presque épeurant qu'on se lance au départ, puis on se dit, mais comment on va s'assurer justement que cette gouvernance-là va être démocratique, va être collective, va être transparente. Donc, c'était presque comme se lancer dans le vide, mais je pense réellement, pour avoir vu l'évolution des travaux et comment, en fait, vous vous êtes inspiré des autres modèles de gouvernance dans la co collectif, ça fonctionne très bien parce que l'idée, comme l'a bien dit Jessica, c'est de rendre le fiduciaire imputable. La raison pour laquelle on choisirait une fiducie, en fait, c'est pour qu'il y ait des personnes qui aient sur leurs épaules des comptes à rendre, des obligations de s'assurer que ces données-là qu'on a mutualisées, ben, elles soient utilisées pour des fins particulières et des fins qui ont été choisies démocratiquement peut-être ou pas, mais en tout cas pour une collectivité qui est impliquée dans sa gouvernance. Donc moi, je comprends la question parce que c'est vraiment ce qui nous a préoccupés. En tout cas, moi, à chaque fois que je revenais avec ça, je pense que j'ai martelé tout le monde avec mes angoisses sur mes va surveiller les fiduciaires, comment on va impliquer la communauté. Donc, je comprends, mais je pense que là, vraiment, quand je regarde les outils que vous avez produits et la réflexion qui a été faite derrière, c'est vraiment, c'est possible de penser fiducie et démocratie. Ça, pour moi, c'est clair. Merci Alexandra. Véronique? Oui, mais dans la même veine, en fait, je dirais, moi, je reculerais même d'un petit pas encore en arrière, c'est que ça a été un enjeu de comprendre le principe de l'affectation. Le principe de la vocation est un principe qui est très intéressant et qui est très flou au départ parce qu'il est un endroit où qu'on visite assez peu. Parce que cette notion de vocation, elle déplace même la notion de vision ou de mission, là. Elle est au-dessus de ça. Et c'est un petit peu l'aspect intangible et non transformable de la fiducie. Et c'est ce qui la rend si étonnante, en fait, comme formule. Et donc, nous, on a eu à comprendre ce principe de l'affectation pour ensuite,
commencer à le visiter et à prendre des décisions. Alors, c'est vrai, quand on parle de démocratie, je pense que la démocratie, elle s'inscrit à partir du moment où on la propose, cette affectation, où elle doit être ciselée par ceux qui acceptent de s'engager comme fiduciaire, et à partir de là, de régler, de rajouter des couches de gouvernance autour de cette affectation-là. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur la vocation. On connaissait en fait la raison pour laquelle on voulait créer cette fiducie. Ça a été l'enjeu de le formaliser d'une manière assez pérenne parce que, Jessica, tu pointais tout à l'heure la notion de temps, de durée. Nous, on est dans une fiducie qui, parce que par son côté prototypal, avait une année de vie, donc on arrive à la fin de la première année, mais on repart sur une deuxième vague qui risque d'être beaucoup plus longue. Et l'objectif étant vraiment de pérenniser la fiducie donnée du milieu culturel au Québec. Donc, et au Québec et au Canada, parce que c'est une aussi des dimensions de notre projet, c'est qu'on travaille sur la francophonie canadienne. Donc, on est sur la largeur du Canada et pas seulement sur le territoire du Québec, qui au niveau juridique, d'ailleurs, nous avait posé des questions et on a pu obtenir des réponses là-dessus. Mais la démocratie, après, c'est sûr que la façon dont dont les règles de gouvernance se posent, ben, va régler, entre guillemets, un petit peu cette fluidité de la décision et de qui prend quelle décision pour qui. Et c'est là où se donner des règles de gouvernance signifie travailler beaucoup avec des gens qui ont la capacité de bien comprendre tous ces leviers juridiques qui lient une personne à une autre à l'intérieur d'une infrastructure, comme ça, d'une organisation, une personne morale, en fait. Et nous, très vite, on a compris qu'il nous fallait, autour de la table, un juriste qui soit capable de nous conseiller, de nous accompagner et d'être aussi une bonne interface avec le TIES qui nous a permis de gagner en vitesse en termes d'apprentissage. Et les fiduciaires sont imputables, et d'ailleurs, ça a été un choix personnel, mais nous avions une dimension sur laquelle on n'a pas encore avancé, mais qu'on souhaite mettre en œuvre plus tard, c'est la notion de protecteur. Parce que dans la structure de gouvernance, il y a les fiduciaires, il y a le constituant, et il y a des protecteurs qui sont un petit peu le troisième cercle qui va venir s'assurer que les règles de gouvernance sont faites dans le sens de la vocation. Donc, on Merci est dans la beaucoup. nuance tout le temps. Merci beaucoup, Véronique. Alors, à rebours, je vais quand même vous introduire, puis vous donner la parole, puisque c'était ce qu'on avait prévu comme premier commentaire de Véronique pour la Cogency et Culture pour tous en tant que partenaire terrain et pilote en quelque sorte du projet, puis Alexandra sur l'aspect recherche. Alors, je vous présente donc Véronique Marino. Qui est à la Cogency, qui est une agence innovante en intelligence d'affaires centrée autour de la donnée, qui agit auprès de Culture pour tous depuis près de 3 ans comme expert conseil et gère la direction de produits de Culture Pédia. Et ensuite, Alexandra Popovici, qui est professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université Sherbrooke. Elle s'intéresse aux institutions fondamentales du droit privé dans une perspective critique et comparée. Ses recherches actuelles portent sur la fonction sociale du droit privé et la notion de pouvoir des fiducies. Donc vous voyez qu'on s'était bien entouré pour ce projet. Et sur ce, je vous cède la parole. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes scoopé en partie ou en totalité, mais je vous redonne la parole, Véronique, puis Alexandra. Puis ensuite, on réouvrira si il y a d'autres questions. Et donc, j'en profite pour vous invitez, participants, participantes, à inscrire vos questions dans le QR. Merci. Ok, rapidement, je pense qu'au-delà de vous présenter le projet, parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps, c'était surtout la relation avec les outils. Nous, quand on a eu l'occasion de pouvoir voir les outils que le TIES a développés, la chose qu'on s'est dit, c'est qu'on aurait bien aimé les avoir au début, en fait. Parce que on a beaucoup travaillé à trouver notre chemin dans cette forêt des possibles. Mais il y a une chose qui était très importante. Puis moi, j'ai la charge aujourd'hui de parler à la fois pour Culture pour tous et pour la Cogency, Anastasia
Bettencourt et Michel Vallée, qui sont respectivement directeurs généraux, directrice générale adjointe et directeur général de Culture pour tous, sont à Dublin pour présenter justement Culture Pédia dans le cadre d'un rassemblement international autour des communs. Avait depuis le début cette intuition que la culture était beaucoup plus importante qu'on ne le pensait. Et en fait, si on fait une rapide rétroaction, je veux dire, il y a toujours eu cette sensibilité qui était de dire que la culture était importante dans une société. Et Dieu sait si on parle de business en ce moment avec Meta, Google, etc. Donc, on se rend compte à quel point cette interrelation d'affaires est un enjeu. Et le milieu que nous avons interrogé à cette époque-là, parce qu'il y avait toute une réflexion sur la mutualisation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour aller mieux? Et cette réflexion-là nous a amené à comprendre qu'il y avait une chose que nous n'avions pas et que les autres avaient. C'était des données. Or, ces données, nous les produisions, nous, en tant que milieu culturel. Et que ce qui était grave, ce n'était pas tant que Meta et d'autres les aient, c'était que le milieu lui-même ne les ait pas. Et donc là, on a entamé notre réflexion à dire, mais comment est-ce qu'ensemble, on peut changer cet état-là et amener les données à devenir un vrai levier de valorisation du milieu? Parce qu'à date, c'est le milieu qui en bénéficiait le moins. C'était les annonceurs et des tierces parties qui en bénéficiaient beaucoup, mais les millions en bénéficiaient moins. Et donc, on a décidé d'aller sur cette vision, de dire, OK, mais est-ce qu'on irait sur un chemin assez peu fréquenté, qui est celui de la mise en commun, et donc de la notion de commun? Et c'est comme ça qu'à un moment, parce que le tiers était déjà dans notre écosystème de réflexion, quand on travaillait avec Culture pour tous sur cette veille, qu'a popé cette idée qu'il existe un véhicule original qui s'appelle la fiducie d'utilité sociale. Et on a décidé de rentrer dans cet univers-là et de dire, mais est-ce que ça ne serait pas la formule que Culture pour tous cherche à mettre en place au bénéfice de l'ensemble des partenaires qui l'accompagnaient et du milieu lui-même? Et c'est comme ça qu'est née, en fait, en 2021, 2022, la première fiducie de données culturelles au service des organisations québécoise et de la francophonie canadienne et acadienne, et que donc on a travaillé sur tous les fronts, la gouvernance, la création de la fiducie elle-même, définir le patrimoine culturel, c'est quoi, quelles sont les données qu'on va accueillir dans ce réservoir, parce qu'en fait, le lien avec la technologie se fait rapidement. Et donc tout ce protocole-là, tout ce processus-là, on l'a fait à travers un processus qui a été montré précédemment par Lauriane et Jessica. C'est une méthode agile. Donc on s'est assis avec nos partenaires, on a élargi le cercle des partenaires parce que notre fiducie n'avait pas de sens si le partenariat n'était pas au cœur de nos activités, parce qu'on ne peut pas faire ça seul, on le fait ça pour l'ensemble. Et donc, si on veut que cette gouvernance soit embrassée par l'ensemble du groupe, ben, il fallait que le groupe soit là dès le début et qu'on soit capable de l'organiser. Donc, pour faire une histoire courte, aujourd'hui, cette fiducie, elle existe et elle va perdurer, on l'espère. On a eu une première vague de financement public, Conseil des arts du Canada et patrimoine canadien. Et là, on est en attente pour une deuxième vague. Il y a une annonce officielle qui a été faite sur une première moitié du financement. Donc, on continue sur les 2 prochaines années à aller plus loin dans la maturité, à l'amener à un niveau de maturité plus élevé. Aujourd'hui, on est en phase de prototype, donc culturepedia.ca existe. On commence à y rentrer des cas à l'intérieur de cette fiducie-là. Donc, on travaille avec des partenaires qui ont des besoins de mutualisation de données et on travaille sur la valorisation de la donnée. Donc, quels sont les bénéfices de faire partie du culturepedia? Et donc là, on va démontrer tout un système d'outils comme des tableaux de bord qui vont permettre de comprendre les données qu'on va joindre les unes aux autres pour être capable d'en obtenir une analyse intéressante. Anastasia Vaillancourt me disait, parce qu'elle aurait vraiment beaucoup aimé être là aujourd'hui, qu'il y avait une chose qui était importante pour elle, c'était de vous transmettre une chose, c'était que la fiducie d'utilité sociale a insufflé un complément d'âme à Culturepedia. Et ça, c'est très important parce que Culturepedia, c'est une idée qu'on avait. On n'arrivait pas à la formaliser dans son incarnation. Et cette rencontre avec la fiducie d'utilité sociale a définitivement inscrit ce complément d'âme. Dans Culturepedia, la notion de vocation ou d'affectation a été structurante et déterminante pour le positionnement dans l'écosystème des projets de mutualisation de données. Au Québec, on a la chance d'en avoir beaucoup. Et notre enjeu, c'était de les rassembler et
de se relier pour être capable de se comprendre. On parle beaucoup d'interopérationnalisation des données. Ça veut dire que quelqu'un qui en produit une fois doit être capable de l'utiliser 100 fois. Donc, c'était important qu'on arrive avec un modèle de données qui soit fluide et qui permette à quelqu'un qui fournit un effort, et Dieu sait si le milieu culturel a beaucoup d'enjeux de produire de la donnée, pour être capable de pouvoir l'absorber. Donc, pour nous, c'était très, très important qu'on ait un lien et un fit, en fait. Et vraiment, la fiducie donnée était vraiment le mariage idéal par rapport à l'ADN qu'on voulait donner au projet. Et nous, moi, en tant que Lac-Agency, on est donc directeur de produits sur la fiducie. On est avec Culture pour tous depuis le début à l'idéation de cette chose-là. De pouvoir avoir pu vivre à la fois la relation avec le TIES qui a été très tissée serrée, puis qui était très ouverte et qui n'hésitait pas à nous poser des questions qu'on ne voulait pas entendre, mais auxquelles il fallait qu'on réponde, et qui nous ont permis de construire cette meilleure connaissance des choses. Donc, ces outils sont vraiment le résultat. Puis, quand on a eu la chance de les parcourir, c'est vraiment le résultat de ce que nous avons vécu. Et vraiment, vous avez fait un travail formidable. Et puis, merci au nom de Lac-Agency et des Cultures pour tous de nous avoir accompagnés là-dedans. Et on espère pouvoir continuer à vous donner de la joie, à voir ce à quoi vous avez contribué. Donc, je pourrais donner plus de détails sur les projets, mais c'était plus au niveau du côté non visible des choses sur lesquelles je voulais intervenir. C'est parfait. Merci beaucoup, Véronique. Puis, par ailleurs, en retour, je tiens à souligner la chance qu'on a eue, nous, au TIES, d'avoir ce pilote, ce projet pilote avec Culture pour tous, avec Lac-Agency, parce que quand on s'est lancé dans l'exploration de la fiducie comme outil potentiel pour la mutualisation de données, la gouvernance de données, on ne pensait pas que 2 ans plus tard, on aurait fait autant de chemin et on se serait confronté autant à vraiment. Des défis pratiques en mettant sur pied une fiducie d'utilité sociale. Très honnêtement, on ne le pense pas et donc ça a été très riche pour nos travaux. Alors, je vais maintenant céder la parole à Alexandra pour le côté plus la perspective recherche. L'intersexisme est tout autre, mais tout aussi important. Moi, mon rapport, mon lien avec le TIES date d'avant les fiducies de données, puisque le TIES a commencé à réfléchir à la fiducie comme mode alternatif de détention des biens ou de données ou de choses en général depuis longtemps. Et comme j'étais une spécialiste des fiducies, ils m'ont interpellée. Et donc, il y a 3 ans, c'est ça à peu près, quand une fois que la réflexion autour des fiducies d'utilité sociale a été faite, cette idée de voir comment on pouvait utiliser, particulièrement au Québec, la fiducie pour les données est devenue de plus en plus pressante parce que ailleurs dans le monde, on parlait de data trust partout, mais les data trusts fonctionnaient à moitié, alors qu'au Québec, la forme particulière de la fiducie permettait qu'on puisse détenir des données, en fait des données ici informatiques, surtout hein, des biens immatériels, parce qu'il y a plein de types de données. Lauriane, le guide là, que tu as présenté tout à l'heure, il y a vraiment des définitions de ce qui est une donnée, mais ce qui est difficile, ce sont ces données informatiques, ces données numériques. Et donc, d'avoir une emprise et une mutualisation de ces données numériques, c'était vraiment un défi de taille pour le Québec, pour le monde de la culture, de la santé, etc., mais aussi dans le monde. Et donc, l'analyse, moi, que je faisais à titre de chercheuse universitaire, c'était de dire, ben non, mais les données, franchement, comme n'importe quel autre objet, c'est possible de les détenir et de les détenir sans que on puisse simplement les utiliser pour soi-même et les exploiter pour soi-même contre les autres, si je peux dire. Et donc, de là, mon intérêt et ma réflexion à moi dans le projet du TIES. Il faut quand même savoir, c'est ça, que la fiducie au Québec est bien particulière. Donc, cette idée qu'on va détenir des biens pour une vocation, pour une affectation, pour un but particulier et que la personne ne va pas en être propriétaire, c'est assez particulier. Ça existe nulle part ailleurs.
Et ça ouvre des portes phénoménales et en même temps très complexes. Donc, par exemple, le problème de la gouvernance, parce que on a cette angoisse que si on n'est pas propriétaire, on n'est pas responsable. Et puis, la fiducie montre que tout au contraire, on peut être responsable sans être propriétaire. Donc, il y a quelque chose de vraiment magique dans tout ça. Et qui change le paradigme? Qui change le paradigme de comment être avec les autres, comment être avec ici les données? La partie la plus importante, c'est que le tiest a réussi à mettre cette, j'ai envie de dire, cette bibitte, cette chose, cette institution, on dirait en bon juriste, sur la table et vraiment la tester ben, avec Culture pour tous, mais c'est vraiment toutes ces limites pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, où le bât blesse, où on n'a pas assez de données justement pour pouvoir construire quelque chose qui fonctionne. Et franchement, moi, je l'ai dit toujours, je trouve ça phénoménal, le travail qui a été fait, parce qu'on partait de presque rien. On partait de rien dans le monde, on partait de presque rien au Québec. Et les fiducies de données, donc il y avait des fiducies pour des protections environnementales, pour des protections patrimoniales, mais rien sur les fiducies de données. Là, je regardais encore en 2021, 2022, on écrivait encore qu'il n'y avait rien qui existait. Donc, c'est vraiment, c'est fou ce qui a été créé. Et l'expertise, donc, qui en sort est immense. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de Anne-Sophie Hulin, qui est aujourd'hui professeure à l'Université de Sherbrooke avec moi. Ben, elle est devenue une spécialiste, en fait, des fiducies de données. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Et c'est d'une très grande partie grâce au TIES. On a Jessica qui a travaillé au TIES depuis très longtemps et qui maintenant fait son doctorat à l'UQAM. Donc, pour le monde de la recherche, c'est incroyable l'apport qui a été fait par le travail que vous avez fait. Donc, le côté pratique, incroyable, mais le côté recherche également. Et ça a été aussi un dialogue, c'est-à-dire que moi, j'ai affiné mes réflexions de façon incroyable. Donc voilà, je peux répondre à plein de questions sur les fondements de la fiducie, si vous voulez. Mais c'est surtout un bravo à l'équipe et à tous les partenaires. Merci beaucoup, Alexandra. Avant de te céder la parole, Véronique, j'en profite pour lire une des questions qui a été posée. Est-ce que vous avez hésité entre plusieurs solutions de structuration juridique avant d'atterrir sur la fiducie d'utilité sociale? Si oui, pourquoi et comment avez-vous choisi? Alors, je te cède la parole, Véronique. Peut-être c'était sur autre chose. Tu peux peut-être dire un mot, sinon on complétera aussi là-dessus. Ah, ton micro. Ça devait m'arriver, hein, j'ai eu la tag. mais si je répondais à la question que tu viens de dire, Émilien, ben, en fait, on a hésité, puis en fait, on n'a pas hésité. Parce qu'à un moment, on avait décidé de se commettre. On s'est dit, c'est un projet prototypal, on s'est dit, on va tenter l'expérience. Et la rencontre avec le principe de la fiducie fait que Culture pour tous a décidé de mouiller sa chemise là-dessus. Et plutôt que je dirais, de grignoter un petit peu, de faire des demi-essais, on s'est dit, on va faire un essai. Et on y va à fond pour être capable de dire ben, sans regret, c'est oui ou sans regret, c'est non. Parce que le non aurait pu être une réponse aussi. La fiducie n'aurait pu ne pas naître parce que ce n'était pas le bon véhicule. Donc on n'y a pas été contraint et forcé, on y a vraiment été, c'est à chaque fois la bonne décision que de prendre cette avenue-là. Donc on n'a pas visité les autres, on les a lus, par contre on a regardé, mais rapidement, Culture pour tous a pris une décision intime, qui était de dire, nous, on se commet et on s'essaye là-dessus. Puis, juste pour faire le lien, pourquoi est-ce qu'on a précisé, et je dis on parce que Culture pour tous et nous, on travaille très tricoté, très serré sur ce projet-là. Donc, c'est dans le nous, en fait. Pourquoi est-ce que cette décision-là a été prise? C'est parce qu'on revient à la vocation. L'idée, hein, c'est l'impact social de la culture. Tout à l'heure, j'en parlais légèrement, mais si on revient à la COVID a démontré une chose, c'est que la culture est fondamentale dans une société. Et qu'au-delà je dirais, d'une vision politique qui décide de dire ben, on subventionne la société ou on ne la subventionne pas, ou si vous ne vendez pas de billets, on ne vous donne pas d'argent, on a tous vécu dans le milieu culturel ces hauts et ces bas qui sont attachés à des visions du monde. Et pour sortir un peu de cet esclavage-là, l'idée, c'était de dire, ben, hors de tout doute, quel est l'impact de la culture sur la société?
Et pour ça, ben, il faut être capable de rentrer en contact avec des données. Et que ces données-là, on va les assembler. Et c'est des données qui, d'ordinaire, ne sont jamais ensemble. Et je reviens à la présentation que Jessica et Lauriane nous ont faite tout à l'heure. On parlait de silos. Nous, notre objectif, c'était de briser les silos. Briser les silos de la culture, des données culturelles versus des données en mobilité, versus des données en médecine, et versus des données en développement personnel, etc. Donc, la vision à long terme de Culture Pédia, c'est d'être capable de démontrer ça. De démontrer l'impact social de la culture à travers des indices, à travers des questions, en fait. Parce que l'objectif, ça va être de faire travailler la communauté en disant, moi, j'ai une question, et quel est l'impact de ça, ou qu'est-ce que mes données peuvent être capables, quel type de questions mes données peuvent-elles être la réponse? Avec toujours cet objectif de construire une réponse innovante, nouvelle, de l'impact et de l'importance de la société, donc du coup de la financer ou pas, et de s'assurer qu'on est dans des avenues qui ont du sens par rapport à l'ensemble des activités. Et c'est pour ça que pour nous, c'était très important le choix de la fiducie, parce que on rejoint les valeurs. Merci Véronique. Je vois pas d'autres questions. Il est bientôt 13 h. J'ai quelques petites choses à vous dire avant de fermer ce webinaire. D'abord, j'ai oublié de le souligner, mais Anne-Sophie Hulin, qui devait être présente parmi nous aujourd'hui, s'excuse. Elle a eu des obligations familiales, hein, avec le contexte de grève qui l'ont empêchée de se joindre à nous. Elle souligne, comme on l'a entendu ici, le plaisir qu'elle a eu à collaborer au sein de ce projet, puis la qualité du travail mené par l'ensemble des partenaires. Vous dire également que les outils sont en ligne sur le site du TIES. Vous allez recevoir un courriel juste après la fin de ce webinaire, avec des liens vers ces outils, avec le PowerPoint qui vous a été présenté. Comme je l'ai dit, la vidéo sera visionnable par la suite sur notre chaîne YouTube. Et puis, on vous enverra aussi un petit sondage qu'on vous invite à remplir. C'est très rapide pour nous aider dans nos processus d'amélioration continue. J'aimerais aussi souligner que ce webinaire se tenait dans le cadre d'une série 10e anniversaire, puisque le TIES a 10 ans, et que c'est le premier de cette série. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir d'autres projets et outils qui sont dans leur dernière phase de finalisation. Il y a beaucoup de nos projets qui se sont terminés récemment. Donc, beaucoup de choses à vous présenter. On profitera aussi de cette série 10e anniversaire pour revenir sur d'autres projets phares et thématiques phares de nos travaux des 10 dernières années. Alors, restez à l'affût, et puis vous allez voir passer d'autres invitations. Voilà, donc il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire, à encore une fois remercier les partenaires du projet pour leur travail de grande qualité. Puis un merci tout particulier à notre regrettée collègue Jessica, qui, on l'a souvent dit et je le répète ici, a vraiment fait un travail extraordinaire. Alors, on était triste de la voir partir, mais elle est jamais très loin. Voilà, merci tout le monde et à très bientôt. Au revoir.